jouer au foot, des conditions de jeu parfaites. Serginho. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Salut à tous, bienvenue à vous pour cette rencontre décisive. Décisive, car il n'y a pas eu de vainqueur à l'aller. Et c'est bien évidemment une qualification qui va se jouer ici. Ce premier tour à élimination directe pourrait-il être le dernier? Pavard. Il a choisi de jouer long. C'est dégagé, loin devant. Bon, voici Coman. Dans la profondeur. La frappe! Le but! Oh, le but pour le Bayern Munich! Oh, que c'est bien joué! C'est fait, il passe en tête sur l'ensemble des deux matchs. Oh, très bon ballon dans le dos de la défense. C'est une occasion, ça. Oh, c'est dedans. Yes, goal. Deux buts d'avance, la différence est faite. Timing, exécution, précision, tout était parfait. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lutte. Oh, quel caviar! Il y a peut-être un... Oui, il peut frapper là! Ça rentre! L'entame parfaite pour cette seconde période. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Quelle puissance chez ce joueur! Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux. Et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité, vraiment. Dans les 45 prochaines minutes maintenant. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Bien servi. Le bon dribble. Le Barnes. Oh, c'est au fond. Ah, mais c'est parfait. C'est le moment idéal pour prendre l'avantage dans cette fin de rencontre. Allez, ça doit. Quelle occasion, attention. Oh, ils sont passés tout près de l'égalisation dans ces dernières secondes. Mais malheureusement, le coup de sifflet final vient de retentir. Salut à tous et bienvenue pour ce 8e de finale. On connaît l'importance du premier match dans une double confrontation à ce niveau. Aucun doute que les deux équipes l'ont parfaitement préparé. La seconde. C'est fini. Le match est terminé. Rejoignez à l'instant. On était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites. Un ciel dégagé. Oh, voici Sané. Ça passe. La frappe. Et c'est dedans. Oh, que c'est bien joué. Ah, il est beau ce but. Surtout, il fait très plaisir parce qu'il arrive dans un moment très critique dans ce match. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça. Il sait mettre l'ambiance. Et puis, on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Plus que quelques minutes pour faire la différence dans le temps réglementaire. C'est une occasion, ça! Le but capital! Il n'a pas tremblé. Formidable. Et voilà qu'ils sont maintenant devant au score cumulé. Tout part de ce ballon repris au milieu de terrain et après c'est allé très très vite. Voilà une occasion parfaitement exploitée. Müller qui inscrit là son troisième but dans la compétition. Il cherche son coéquipier. Yo les gars, c'est Sergi, bienvenue encore sur une fois, désolé, encore une fois, bienvenue encore sur une fois sur la chaîne, est-ce que ça se dit? Bienvenue encore une fois sur la chaîne. Aujourd'hui on va continuer notre aventure. Comme vous avez vu au début de la vidéo, en fait j'avais pris
une autre vidéo et j'avais pris une autre vidéo et il n'y avait pas de son. Je ne sais pas l'erreur que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai traîné de poster tout ce temps-là. Mais je vous ai montré tous les buts, tout ce qui s'est passé dans les derniers matchs. On avait battu Inter de Milan, donc je vous ai montré tous les buts pour ceux qui veulent voir tous les buts. Je crois que même sur ce format, je vais continuer sur ce même format parce que je trouve que c'est mieux au lieu de tout le temps parler sur tous les matchs pour qu'on aille plus vite dans la saison. Alors maintenant, on va jouer un match contre Wolfsburg. Ça sera Bundesliga, donc on y va, on enchaîne directement. J'ai pas envie de traîner. Et voilà, c'est pour vous dire que j'ai trouvé un outil qui va maintenant arranger ma voix, qui va arranger les problèmes de bruit de bouche. Mais je crois que tout était réparé, hein. Je crois pas qu'il y en avait beaucoup maintenant. Mais j'ai trouvé quelque chose qui sera mieux, qui va même améliorer l'audio de mes vidéos, parce que beaucoup de gens disaient que mon audio était horrible. Je sais, j'ai juste un micro qui est très sensible, c'est un micro de studio, mais il n'est pas fait pour prendre des vidéos sur YouTube. Il est surtout fait pour des sons, et en fait, on doit arranger l'audio qui a été pris pour que ce soit de meilleure qualité. Bon, je vais tester l'outil. Bon, pour le moment, l'outil ne marche pas, parce que en fait, mon travail, c'est ça. Hein. Je fais souvent aussi des trucs de maintenance sur les audios et tout ça. Et j'ai découvert cet outil, et je me suis dit, ah, je pourrais l'utiliser sur YouTube. Donc on va jouer notre match là contre Osbo. Je vais passer tout ça parce que voilà. Allez, c'est parti les guys. Je joue milieu offensif, je crois. Et on va essayer de gagner ce match. Et le premier tir du match. Il faudrait que je m'entraîne sur le pied gauche en tout cas, parce que si je joue une autre fois, si je fais vers une carrière encore une fois, cette fois-ci je prendrai le pied gauche parce que je remarque que je joue trop du pied gauche sur ce jeu. Le poteau, les guys. En tout cas, on joue un match très, très compliqué là. Wolfsburg, aujourd'hui, ils ne veulent pas prendre 7 buts. Et Mathis Tel qui entre directement en jeu là. Ouais, on a vraiment besoin de quelque chose. Wolfsburg, aujourd'hui, ne veut pas prendre 7 buts comme la dernière fois là. Mais ils vont prendre. Je vais faire tout pour qu'au moins on marque un but parce que là... Et voilà, on va prendre un but. C'est incroyable. Wolfsburg marque un but. Voilà, je le sentais que c'était scripté ce match. Je le sentais. Franchement, c'est dégueulasse ce match. Parce que je sentais qu'il y avait un script. Voilà, c'était cheaté, je vous assure. On n'arrivait pas à jouer, en tout cas. On n'y arrivait pas. Je ne sais pas si c'est la pluie ou quoi, mais regardez. Juste de... Franchement, moi... Ce genre de match, moi, ça m'énerve. Hein. Ça m'énerve, les gars. Vous jouez super bien, mais vous perdez à la dernière minute. Et oui, on perd 3 points aujourd'hui. Et bien, le Leverkusen aujourd'hui, voici, ils gagnent leur match. Et bien, ils vont se rapprocher de nous. Et regardez, j'ai 6.5. C'est moi qui a le mieux joué dans ce match. J'ai tout donné, mais rien n'a marché. Et on va voir, ben, le Leverkusen, s'ils ont... Ouais, ils ont gagné leur match, et ben ils vont venir tout près de nous. Voilà. Voilà, si on voulait du piment dans le championnat, et bien on l'a. Peut-être je dois aller à Bayern Leverkusen, peut-être. Parce que Bayern, le coach, je sais pas ce qu'il fume, les gars. Mais ça ne va pas du tout. Alors, regardez, je suis encore à 85. Ça évolue petit à petit. Et là, on va jouer contre Fribourg. Allez, c'est parti les guys. Match très important, je crois que c'est la demi-finale, hein. Fribourg, Bayern Munich, si c'est pas la finale, je me rappelle pas. Et
On va voir si c'est la finale, s'il y a le trophée. Non, il n'y a pas de trophée. Donc, c'est la demi-finale, les guys. Attention, on risque de se prendre un but, là. Ouh, le gardien sauve l'équipe. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans l'équipe, mais ça ne va pas, ces moments. Et après, on a un grand match face à Stade Rennes. Et oui, premier. Et voilà, je crois que Mathis Tell, en tout cas, il faut que ce soit lui l'attaquant parce que les autres, ça ne va pas, les guys. J'espère que le coach va le mettre face à Stade Rennes parce que on a failli être éliminé par FC Nantes et Inter de Milan aussi. C'était un gros match et c'est une demi-finale encore contre une équipe française. Ça veut dire qu'il joue très bien dans ce championnat, dans la Coupe d'Europe là. Attention, on prend un but face à Fribourg. Et voilà, ça, c'est parti. La descente en enfer. La descente en enfer pour au Bayern. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, l'équipe, ça ne va pas ces derniers jours. Alors là, je ne sais pas. Il faudrait que j'aille en attaque peut-être. Parce que là, si ça continue comme ça, je vais devoir demander d'aller en attaque. Parce que si ça marche pas là-bas en attaque, ça n'entre pas les buts. Je vais m'en occuper. Et le but! Finalement, wesh. Voilà, voilà, voilà. Avec Mathis Tell, ça va mieux. On a bien joué sur ça. J'étais tellement concentré là. Regardez, on a très bien joué. Une équipe là. Là, je me suis déplacé dans l'espace. Et j'ai préféré qu'il me passe pour que... Parce que là, s'il allait tirer, ça allait aller à côté. Et j'ai dit, passe-moi la balle, je te la remets bien. Parce que tu es dos au but, là. Et là, encore une autre passe, et bien sûr. Deuxième but, les guys. Ah oui, je veux le servir, Mathis Tell. Je sais qu'il est bien fort, je sais comment il vire le ballon. Et là, les passes décisives, en tout cas, ça va monter. En tout cas, je serai le meilleur passeur décisif. Je sais pas, peut-être j'aurai le ballon d'or. En tout cas, je serai dans l'équipe de l'année parce que là, je donne beaucoup de passes décisives. Je sais où est toujours le buteur là. Et avec Mathis Tell, en tout cas, c'est un très bon joueur. Je ne sais pas s'il est dans votre carrière là, mais moi, en tout cas, j'ai la chance de l'avoir. Attention, le gardien, qu'est-ce qu'il a foutu? On va prendre un but, la bête. Attention, mais qu'est-ce qu'il fout, le gardien? Qu'est-ce qu'il fout? Alors là, c'est une jolie passe. Mathis Tell, est-ce qu'il va y aller? Je crois pas. Il n'est pas assez rapide là. Et là, c'est moi aussi qui prends mon tir parce que là, je voulais en profiter aussi. Je voulais avoir mon but aussi là. Parce que je me suis d'abord sacrifié parce qu'il fallait vraiment qu'on gagne. Et là Mathis Tell, je crois qu'il est hors jeu là. Non ! Il est hors jeu. Il est hors jeu. En tout cas, on s'est débloqué directement. Mathis Tell, en tout cas, je vais le servir parce que c'est là que le coach va... le faire jouer. Aussi, c'est pour vous dire que Football Life 2023 a eu une mise à jour. J'ai pas encore installé la mise à jour. Il y a beaucoup de trucs qui ont changé, donc je vais installer la mise à jour un peu après. Pour l'instant, j'ai trop la flemme pour le moment. Voilà, il faut marquer un troisième but le plus rapidement possible parce que cette équipe, elle va vouloir nous marquer. Regardez. Et oui, ils égalisent. Ils égalisent. Ce match est juste un match de feu là. Oui, je le sentais parce que regardez, ils étaient tous montés, hein, tous les milieux, tout. Mais s'ils perdaient ce ballon, je vous assure, on allait marquer. Il fallait qu'on en profite pour marquer. Je crois que je devais passer sur mon tir là. J'ai été un peu égoïste là. Et on va essayer. On va faire boucler. Nous aussi, nous sommes en plein attaque là parce que là. Attention, je voulais pas Sadio Mané, mais est-ce qu'il va pouvoir, bien sûr. Il n'y a personne, en tout cas, il n'y a personne. On risque de prendre un troisième but là. Alors, je vais retourner en arrière. Parce que là... Ah, c'est dommage. Il
Vas-y, vas-y, vas-y. Fais de la passe. Ouais, vas-y. Là, il peut marquer. Et oui, on marque. 3-2. Ce match est juste feu. Je sais pas ce qui s'est passé d'un coup, mais tout le monde... Cette match, c'est juste la folie. Franchement, j'ai bien fait. Je vais retourner derrière parce que je vois que mon équipe est en attaque complète. Et là, ça risque de faire des vides au milieu. Attends, je regarde si le coach nous dit toujours full attaque. Non, cette fois-ci, on recule. Mais je vais reculer quand même parce que faut qu'on récupère des ballons. Hein. Et on sera en surnombre. Voilà, là, c'est bien défendu là. Allez, on va y aller. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il fout, celui-là? On y retourne en arrière parce que là, je veux pas qu'on perde ce match. Là, c'est un tir, là, mais... J'essaie de marquer un 4 but pour qu'on ait l'avantage, quoi, mais ça ne marche pas. Et là, je crois que je vais tirer. Non, je crois pas que je vais marquer celui-ci, mais je vais tirer. On ne sait jamais au cas où. Je préfère que ça aille en corner. Si on risque de prendre un but, là, imaginez-vous. Regardez. Ouh, le sauvetage de lapin. Ah là là, le gardien... Il fait l'arrêt qu'il fallait pour les dernières minutes là parce que le match devenait du n'importe quoi alors qu'on a bien commencé comme des gens civilisés et d'un coup c'est devenu attention, faut pas prendre un but quand même. Et on termine ce match en folie les gars. Et oui, on gagne, on est passé pour la finale. Oui, on est passé pour la finale. Désolé Fribourg. Voilà, j'ai super bien joué ce match en tout cas. J'étais partout, j'étais en défense, j'étais en attaque. Et on va jouer contre Dortmund. Ça sera une finale de feu les gars. Dortmund-Bayern pour la Coupe d'Allemagne. 27 passes décisives les gars. Regardez, je donne les passes décisives, on dirait que c'est des buts. Hein. Je marque pas les buts, mais les passes décisives, ça tombe comme la pluie quoi. Comme des petits pains. Et là, on va jouer RDC, mais frère, je vais me reposer et j'ai pas envie de jouer ce match, donc on va... Oh là là, ne me dis pas. Eh oui, gros match, Europa League, Stade Rennais contre Bayern Munich. On est à Rennes là, et puis on va essayer, je commence sur le banc, donc... On va passer ça et puis on va se retrouver pour le match. Allez, on prend un but face à Rennes. On prend un but et voilà. Bayern, j'ai dit qu'il y a des soucis. On va revoir le but ensemble parce que là, j'avais appuyé pause sur OBS. Regardez ce but. Poteau et puis il revient et la remet directement. Donc voilà. Il y a un gros problème chez Bayern ces derniers jours. En attaque et en défense aussi. Je crois qu'on se laisse trop un peu. Je sais pas si on a plus de défenseurs ou quoi. Mais il faut qu'on se corrige. Oui, on égalise les gars, on égalise. J'étais super lent pour appuyer. Voilà, on égalise un but. C'est Matistel. Et voilà, Matistel qui prouve encore qu'il sera un grand joueur. Et voilà. Donc, ça fait un but partout. Je ne suis pas entré... je crois que c'est la deuxième... Non, c'est la première mi-temps toujours. Hein. Donc, on se revoit à la deuxième mi-temps quand je serai là. C'est parti. Nous venons d'entrer dans le jeu. Bon, ça fait... C'est toujours un but partout là. Donc, on va essayer... De gagner ce match parce que j'ai pas, je crois que Rennes ils sont motivés de ouf là. À profondeur, bien vu. Le gardien des
Et le match est terminé. On termine sur un match nul. Un but partout, les guys. Ça s'est pas bien passé. Comme vous venez de le voir là. Alors, on va jouer le match contre Stuttgart. Donc, c'est un match très important. Si on perd ce match, voilà, Sergio Ramos, il est là. Si on perd ce match, Leverkusen risque de prendre les devants. Et là, est-ce que je me suis bien reposé là? Donc, à tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Et c'est parti, on rentre dans le match. Donc là, j'étais sur le banc et je rentre à la 62e minute. Donc on gagne face à Stuttgart. C'est un but de Dani Olmo. Donc. Tout se passe bien et il ne faut pas qu'on perde ce match parce que Bayer Leverkusen est juste derrière. Et je crois que cette fois-ci, ils peuvent même gagner. Hein. Et oui, une passe décisive de ma part là, j'étais tellement concentré là parce que les passes décisives en tout cas ça enchaîne hein, parce que là je pouvais marquer peut-être mais j'ai préféré passer encore à Leroy Sané. Et le match est terminé, on perd 2-0, on gagne 2-0. Avec une passe décisive de ma part là. Et là comme vous voyez Bayern Munich, il n'y a que 2 points de différence avec Bayer Leverkusen. Donc les derniers matchs il faut gagner, parce que si, je suis sûr que si on perd juste une fois, Bayer Leverkusen ne va pas lâcher la première place. Et là on va jouer contre Stade Rennais. Et là, c'est parti, Bayern Munich contre Stade Rennais. On va passer tout ça. Et aujourd'hui, on doit jouer sérieusement. Après, ça sera la demi-finale. Et on, en route pour la finale, en tout cas, on va essayer de remporter ce trophée. Je crois pas qu'il y a des grosses équipes. Alors là, je sais pas comment il a intercepté cette balle. Parfois, PS a des interceptions bizarres, là. Ils réagissent très, très vite, les défenseurs, je trouve. Ouh, le poteau, les guys. C'est super bien joué là-bas, là. Je sais pas comment j'ai pu rater ça. Je sais pas comment j'ai pu rater ça, les guys. Je vais regretter. J'espère que Rennes ne va pas marquer. En tout cas, le match est très difficile, comme vous êtes en train de voir. J'ai dû couper toute la première partie. Nous sommes à la 68e minute. Et là, franchement, il y a un gros problème. Là. Aïe, 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 là. Il n'y a pas de faute. Hein. Franchement, je crois que ce match sera scripté. En tout cas, Rennes, ils sont à fond. Ah là là, ils sont à fond. Tout le monde est à fond. S'ils marquent, on est éliminé, les guys. Et là, s'ils marquent, ça sera une catastrophe, là, parce que Bayern se faire battre par Rennes. C'est juste incroyable. Et le match est terminé. On est quand même qualifié, les guys. Ah, je dois élever un peu ma voix pour m'entendre parler parce que il pleut sérieusement ici. Allez, c'est parti pour le match. Hertha Berlin contre Fribourg. Attention, la jolie passe là, Müller. Et voilà, 29e passe décisive de la saison. Franchement, les passes décisives. Je crois que tout le monde va s'arracher mes services parce que là, ils vont dire, ah, ce gars-là, il donne tellement de passes. On aura besoin de lui dans notre équipe parce que si on a besoin de passeurs là, parce que... Voilà, là, je vais passer juste. Donc. Du coup, prochaine vidéo, ça sera chaud en tout cas. Il ne faut pas manquer cette vidéo. Ça sera la dernière vidéo de la saison.
On fera le bilan de la saison. Première grosse saison de grosse équipe là. Voilà, ça c'était un super bon jeu là. Il va marquer bien sûr. Et 2-0 les guys. Hertha Berlin se trouve au fond du trou les guys. Et là on a super bien joué en tout cas, regardez. Je trouve toujours les passes. Moi je joue simple hein. Pas besoin de faire des dribbles et tout ça. Bon, je peux faire des dribbles mais c'est pas très très important. Et le match est terminé les guys, on gagne 2-0, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous savez ce que vous devez faire si vous êtes déjà abonné, vous devez appuyer sur le bouton like et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. À bientôt les guys.